J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres, carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle écrit que dimanche elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes sébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas 100. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux pas trop Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Et moi je suis un homme